Eh bien, nous sommes de retour pour cette deuxième partie de live avec quatre autres structures. Donc aujourd'hui, nous accueillons... Océane de chez Destia. D'accord. Est-ce que vous pouvez présenter un peu votre structure, s'il vous plaît ? Oui. Alors, du coup, nous, on est un prestataire d'aide à domicile. Donc, on fait de la garde d'enfants, de l'aide aux personnes et du ménage. D'accord. Et quel type de poste vous proposez ? Des CDI à temps partiel. D'accord, des CDI. Le nombre, peut-être ? En tout, qu'on proposerait aujourd'hui ? Oui. On est environ entre 7 et 10, à peu près. D'accord. Est-ce qu'ils sont à pouvoir directement ou un peu plus tard ? Certains, oui. D'autres, on peut attendre le 1er octobre, par exemple. D'accord. D'accord. Et quand vous êtes un peu plus tard, c'est vraiment octobre ou c'est un peu plus échelonné sur l'année ? Non, ça sera au 1er octobre. D'accord. Est-ce que quel type de compétences, profil vous recherchez pour ces postes ? Alors, pour les aides à domicile, il faudra absolument 3 ans d'expérience ou des diplômes. Donc, par exemple, le bac pro ASSP, sanitaire et social. Pour la garde d'enfants, on demandera 1 an d'expérience minimum. Donc, tout ce qui est babysitting, même quand on était plus jeune, qui n'était pas déclaré, ça fonctionne. Et pour le ménage, pareil, 1 an d'expérience. D'accord. Et on peut peut-être être un peu plus précis sur les diplômes recherchés, enfin souhaités. Alors, pour les diplômes souhaités, ça va être vraiment pour l'aide à domicile. Donc, comme je vous citais, l'ASSP, bac pro sanitaire et social... l'assistante de vie aux familles, ça va être ce genre de choses. Après, d'accord. Pour la garde d'enfants, le BAFA, c'est un plus, mais c'est pas obligatoirement, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme. Donc, vous parlez du BAFA. Est-ce que quelqu'un en STAP, ça peut être possible oui. aussi ? Oui. D'accord. Donc, pour ces postes, est-ce qu'il faut être véhiculé ou pas, impérativement ? Alors, pour la garde d'enfants, oui, parce que généralement, c'est du périscolaire. Donc, on va chercher les enfants à l'école. D'accord. Donc, il faudra forcément un véhicule. Pour l'aide à domicile, donc l'aide à domicile, c'est tout ce qui est aide à la toilette, aide au repas, aide au coucher. Donc là, on peut aussi voir avec les bus, c'est aussi faisable. Et pour le ménage, ça peut être aussi faisable. C'est surtout pour la garde d'enfants où le véhicule sera obligatoire. D'accord. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à préciser s'il y a un problème de son, car visiblement, il y en a un petit peu. Donc ensuite, nous allons reprendre nos questions. Donc du coup, faut se déplacer. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur les lieux ? Oui. Alors, c'est environ 30 km autour de Poitiers. D'accord. D'accord, donc on va aller par exemple jusqu'à Neuville-de-Poitou, ensuite on va aller jusqu'à Chasse-Neuil, ensuite jusqu'à Mignaloux-Beauvoir et après Fontaine-le-Comte. D'accord. À peu près les 4 coins de Poitiers. Très bien. On va peut-être regarder si on a des questions des internautes. Donc visiblement, oui, Eric nous dit le nombre d'heures par semaine. Alors, si c'est pour la garde d'enfants, on est entre 4 et 6 heures semaine à peu près. Pour l'aide à domicile, c'est selon vos disponibilités. D'accord. Bien évidemment, on est une boîte où on s'adapte aux disponibilités des étudiants. Donc, on s'adaptera à vous. Donc, ça peut varier. Vous pouvez chercher qu'un 10 heures semaine ou alors un 20 heures. Ça peut varier. Donc, nombre d'heures, d'accord. Est-ce que ça peut aussi être de nuit ? Alors oui, mais il faut être majeur. D'accord. Obligatoirement. D'accord. C'est vrai que c'est bien de le préciser. on peut peut-être aussi aborder le salaire. Oui, bah, au SMIC, 10,15 €. D'accord. On va regarder si d'autres questions des internautes. Alors là, nous avons une question de Julien. Est-ce que sans diplôme, c'est possible ? Alors, si vous parlez pour la garde d'enfants, oui. Oui. L'aide à domicile, 3 ans d'expérience ou du diplôme. D'accord. Et le ménage, 1 an d'expérience. Très bien. Donc, ce qui se passe actuellement avec la crise sanitaire, est-ce qu'il y a une formation, quelque chose de spécifique ? Non, 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 on ne forme pas, juste on vous fournit tout ce qui est gants, gel, masque à l'agence. Donc, d'autres questions également. Donc, excusez-moi visiblement, nous avons encore quelques problèmes de son. Donc, Johanna nous demande, est-ce qu'il y a des avantages en nature ? En nature, c'est-à-dire ? Est-ce qu'il y a quelques avantages, peut-être... Ah oui, la mutuelle, oui. Merci. Oui, il y a une mutuelle entreprise, vous pouvez y adhérer après votre période d'essai qui est de 2 mois. Donc on aura la mutuelle. C'est tout. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose d'autre à ajouter ? Non, pas forcément. Non. Regarde s'il y a quelque chose sur le chat. Alors, comme visiblement, il n'y a pas d'autres questions, donc vous pouvez retrouver toutes les offres demain, dès 10 h, sur la plateforme jobavise.fr. Nous allons pouvoir accueillir la prochaine structure et nous vous remercions. Ça marche. Merci beaucoup à tous. Merci.